Yo, yo, je commence le stream. Je dis ça pour les colocs. Yep. Yo, yo, je commence le stream. Je dis ça pour les colocs. Ah ouais, d'accord. Yep. Yo, yo, je commence le stream. Super. Voilà. Je savais pas que j'étais connecté à l'enceinte. J'ai pas compris. Ok. Alors, est-ce que Darmac, tu m'entends bien? Et est-ce que la musique est pas trop forte? Ouais, nickel. Alors, bah, on va faire un petit tour du côté de la traduction. On est là. Voilà, du coup, ça c'est la page de Sanwaichi. C'est tout écrit en chinois, hein, donc je l'ai mis dans Google Translate, donc comme ça on peut voir un petit peu ce qui apparaît. Test d'échec, bon, bah ça c'est juste des tests. Échec, souvent ça va être go. C'est les fenêtres qui vont nous intéresser, enfin les onglets. Là-dessus ça va être celui-ci, particulièrement. Et celui-ci qui est rigolo. Les autres, pas, enfin moi je trouve pas forcément grand intérêt. Donc celui-là, ça va être celui où il va y avoir les niveaux. Voilà. Niveau 15, donc c'est 15 Q, tac tac tac, et puis après un Dan, deux Dan, trois Dan. Mais pour faire ça, il faut déjà être inscrit. Donc pour s'inscrire, il faut cliquer ici. Donc ça va peut-être pas fonctionner tout de suite. Tac. Parce que je vais aller prendre la page d'enregistrement. Voilà. Tac. Et on va la traduire. Voilà. Donc, pour s'enregistrer, il y a l'identifiant, le courriel, le mot de passe, le niveau et le code de vérif qui est juste ici. Ensuite, s'inscrire. Donc, c'est on ne peut plus simple. Maintenant, je vais repasser du côté. Sans la traduction, parce que sinon je ne vais pas pouvoir bien utiliser le module. Donc on va là-dessus. Alors, tac. Du coup, là on est sur. Okay. Oui, c'est bon, on est sur les problèmes. Ouais, on va encore rester sur celle-ci. Ok. Tac. Du coup, moi je vais aller me loguer. Pour se loguer, bah, c'est ici. Paf. Simplement, enfin, c'est un peu plus simple. Bon. Voilà. Et il y a. Donc, on retrouve les différents modules. Donc, ce que. Je regarde pas ses pieds. Salut Cyril. Salut! Ok. Pas bien joué Darmac. Alors, je vais commencer à faire des petits problèmes. Voilà, donc genre une petite dizaine de minutes. Là, on voit que je suis arrivé déjà au niveau d'IQ. Yes. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, je pense, enfin, je vais faire un truc assez rapide, genre 20-30 minutes au max au total. Et dans un deuxième temps, on va faire ce petit truc-là. Ce petit truc-là. Et bah, si t'es ici, Darmac, je vais probablement te challenger. Parce que il y a un mode challenge donc avec le monde entier. Mais bon, il n'y a pas souvent un monde. Et il y a un monde de challenge, comme ça. Quand on clique dessus, on peut challenger quelqu'un. Donc c'est assez fun. Donc en donnant en fait juste l'adresse qui est là-haut. Et partageant. Donc, bah, Dharma, probablement on pourra s'en faire un, si tu veux. Et je sais pas s'il y a d'autres personnes sur le chat, mais ça pourrait être intéressant si jamais vous voulez. Voilà. Donc, je vais commencer juste par une petite séquence en revenant dans les problèmes. Tac. Voilà. Donc on va aller dans les problèmes, on va aller à 10Q et je vais passer en mode problème. Paf. Voilà, petite transition.
Salut Kirsvip, merci pour le follow. Kirvis, chiant lien. Tac. Alors, pom pom pom. Alors, vous voyez, non, vous voyez. Dans l'idée, là on a le problème. Et donc là, je vais mettre un peu la fenêtre ici. On a un temps qui s'écoule parce qu'il y a environ 40-45 secondes par problème. Et si on l'a pas, en fait, c'est plus joli que juste le kiff football. Ah bah oui. Ouais, non, c'est assez agréable comme truc. Et en fait, si j'ai pas fini au bout des 40 secondes, voilà, on va voir. Mais pouf, ça me fait que j'ai perdu. J'ai perdu un problème en SQ+, Camille va me dire que je suis une merde. Parce que... Et donc là on voit, c'est en rouge, donc on a perdu ce problème. Pour aller au suivant, c'est ici. Et les outils ici. Bon, en fait, je vais agrandir parce que c'est un peu pérable. Pouf, tac, tac, voilà. Les outils ici, ça va permettre de mettre le son ou pas. Ça va permettre de résoudre le problème sans avoir d'aide, c'est celui-ci. Ça va être résoudre le problème mais sans suggestion, sans rien, on peut juste mettre toutes les pierres qu'on veut. Là, il va y avoir les réponses. Et sur le troisième, ici. Une fois le problème fini. Oui, oui. Et le troisième ici, c'est les réponses, en gros. Donc, moi, je vais essayer de le résoudre. Donc là, par exemple, tac, tac, tac. Et oui, c'est bon. Du coup, il envoie un petit truc bleu, c'est content. Si jamais je me plante, ça, il va dire que c'est pas bon, tout simplement. Il va revenir. Si je le résous comme ça, je peux juste rajouter les pierres que je veux. Voilà. Et maintenant, si je le résous avec ça, il va me montrer la solution. Pouf, pouf, pouf. Et là, c'est bon. Parce que si blanc vient là, paf, je prends. Et du coup, c'est tout au fait. Donc c'est un bon outil, pour se challenger un petit peu. Voilà, je vais repasser en mode problème. Mais si vous avez des questions sur un peu les boutons autour, tout ce que ça dit, n'hésitez pas. En me donnant des petites indications de vers où c'est, parce que sinon je vais galérer, parce que je ne lis pas le chinois. Paf. Voilà. Donc on passe au suivant. Ah, et pour passer au suivant, c'est le bouton qui est en haut à droite. Tac. Et pour le prochain, je vais vous laisser résoudre. Alors, qui vise ici, à ton avis? Oh! On a du niveau qui arrive. Monsieur Catban El Raven. Est-ce que c'est bon? Alors, il me reste 20 secondes, donc avec le délai de stream, il me reste plus beaucoup de temps. Donc, si vous avez des suggestions, moi je jouerai A2. A2, si tu joues A2, blanc va venir en B2. Voire juste ici. Ici, je pense qu'il faut faire celui-ci pour tout manger. Alors là, on va pouvoir checker comme ça. Là, il n'y a pas de truc. Si jamais il y a ça, en fait, je pense que juste prendre là, c'est correct. Si on fait ça, en fait, noir peut jamais approcher ici. Donc c'est un petit peu embêtant. Parce que là, on mange. Toujours un dé. Non, là je suis ici, je suis 13 Q. Parce que c'est un compte internet. On peut aussi se connecter avec WeChat. Donc WeChat, c'est l'application de Messenger chinoise. Et on peut se créer un compte avec un petit truc détourné. Je sais pas trop. Je sais plus trop exactement ce qu'il faut faire, mais on peut se créer un compte via WeChat. Ok. Alors le petit suivant. Donc l'idée c'est allez-y, essayez
de le faire. Surtout, bah, du coup, là, c'est le niveau. Alors, ça dit niveau DQ. Faut savoir que les niveaux sans Awaki sont assez hardcore. Par exemple, moi, j'ai toujours pas passé le. Enfin, je suis au niveau 1 Dan et je galère. Ouais, toujours un dame comme Piston dame de Goban. Donc il me reste 10 secondes, donc je vais commencer à regarder quand même. L'idée c'est de connecter, je pense. Voilà. Donc on est content. Et comme ça on va voir. Il y a quand même un petit peu de délai. Parce que là j'ai aussi ça, et donc on peut voir le délai qu'il y a. Hop, zézé, ouais. Vraiment fort, ouais, je suis DQ, wakey. Alors, pouf, 45 secondes, c'est parti. Kirvisp, je t'attends. Ouais, il y a un petit décalage de 12 secondes, 13 secondes. Mais globalement, les problèmes sont toujours assez intéressants, assez un petit peu tricky. Il y a des petits Z comme ce que disait Théo ce matin, les Z de Tetris. Petite suggestion là. Ouais, il me reste 3 secondes. Ouf. R19, ah désolé, j'avais pas vu, mais c'était ça. J'ai pas eu le temps de voir Kirvisp, mais en effet, c'était bien R19. Hop, je passe au prochain. Ah, je suis rigolo. Et courage. J'ai pas les enfants à côté, j'ai les colocs, mais ils se tiennent bien. Ça fonctionne? Oui. Il reste 18 secondes, point 12. Bon. Hop là. T18. C'était ça en effet, Kirvisp. Je sais que tu n'as pas vu encore les coups que j'avais mis. Bien joué. M'inscrire finalement. Ouais, c'est assez fun. Mais il y a Rémi Campagny là, qui me disait il y a 2 semaines qu'il avait enfin réussi à passer le niveau 2 Dan avec 0 faute. Parce que l'idée c'est que tu peux passer au niveau suivant uniquement si tu as réussi 8 problèmes sur 10 au minimum. Donc bah, si t'as réussi 8 c'est cool, si t'as réussi 9 c'est cool, si t'as réussi 10 c'est cool, mais si t'as réussi 7 ou moins, bah tu passes pas le niveau suivant et tu continues de galérer. C'est mon cas pour l'instant sur le niveau 1 Dan, j'ai fait que 6 réussites maximum plusieurs fois, mais c'est toujours pas assez. Oui, non, mais là c'est le niveau DQ, Dragon. C'est normal. Mais bah, je vais passer. Voilà. Là, on a 7. Ouf. Il est sous les gars, ça semble un bon défi, ça. Ouais, clairement. Clairement. Et puis, bah, on va voir sur une deuxième partie. Là, je pense que je vais faire une petite session 9 et 8 Q. Histoire de les faire assez rapidement et puis d'avancer pour les prochains. Et puis derrière je vais sûrement mettre quelqu'un au défi sur des problèmes. Parce qu'on peut se faire des petits défis comme ça en s'envoyant un lien. Donc bah, si quelqu'un veut participer, Dharma, Raven ou Camille ou Kirvisp, n'hésitez pas à demander. Le premier qui dit moi, oh putain j'ai oublié. J'étais une seconde. Hum.
Donc ouais, le premier qui dit moi je veux bien faire un petit défi avec, sans problème. Mais pour l'instant, tous ceux qui sont 7Q et moins, s'ils veulent proposer leur solution de problème dans les. Bah dans, du coup, dans les 30 secondes qui leur sont imparties, vu qu'on a 12 secondes de décalage, bah, je suis là pour écouter. Hop là. Il faudrait que je mette le compteur en fait. Ah si on veut. Ah mais il bouge de place en fait à chaque fois. Ça dépend de comment il gobelle. C'est mignon ça. Ça c'est un petit cours sur les formes. Je vais aller faire ma vaisselle, je retente. Ok, bonne vaisselle là. Tu vois pas sous King. Tu vois pas ça. On peut mettre une tranche de nouveau autant de fois qu'on veut. Oui, tout à fait. Bah, je vais remonter. Ça, c'est le dernier problème que je te montre après. En fait, on a un historique même. On peut revoir les problèmes qu'on a fait précédemment. Donc, je vais résoudre. Tac, tac. C'est le point vital de la forme en 5 à connaître absolument. Voilà. Et ici, pouf. On retourne là-dessus. Là, maintenant, on a. Bah, il dit, voilà, on a gagné. Bien joué, vous avez fait qu'une seule faute, c'est ce qu'on voit en rouge. Ah, ici, j'ai oublié. Peut-être autant. Hein. Peut-être j'ai perdu autant. Il dit qu'on a fait 8 bons et 2 fautes. Voilà. Et ici, on peut passer au niveau suivant. Voilà. Si on clique, on va faire des nouveaux problèmes de niveau 9Q. Et si je reviens sur la page ici. Et que je regarde les problèmes que j'avais fait à, je crois, 14Q. Ici, le 25 février 2020 à 15h55, sûrement l'heure chinoise. Parce que je crois qu'il était 3h quand je les avais fait du matin. Et donc si je clique, voilà, il y a tous les problèmes. Bon, j'ai fait un sans faute, 10-0, cool. Et on peut retourner voir les solutions de problèmes, tout ça. Pouf, pouf, voilà. Et puis tu peux le répéter si jamais tu veux le refaire. Tu cliques sur le niveau et puis tu l'envoies avec ça. Voilà. Paf. Bon, je vais faire en vitesse des petits niveaux 9 et 8Q. Dites-moi si vous voulez participer, sinon je les fais rapido. Boum, boum. J'ai fait un petit truc, donc autant l'utiliser. Transition, tac. Paf, paf, paf. Ça a l'air d'être ici. Voilà. Là. On a l'impression que c'est là. Ouais. Pouf. Donc là, l'idée c'est quoi? C'est relier ces pierres ou faire en sorte qu'il ne relie pas justement. Bah, là, on est vivant et on coupe. Donc on est content. Donc on coupe. C'est les trucs où faut lire, c'est chiant ça. Non, ça va d'aller, pouf pouf. Là, tac tac tac. Avoir un œil, c'est cool. Tac, avoir deux yeux, c'est mieux. Pouf.
Ça, c'est... Ouh, vivre. Vivre d'abord. Vivre, c'est qui, du coup? Bon, ben, c'est qui? Intéressant. Hop. C'est rigolo, ça. J'aime pas du tout. Ah ben, comme ça. Ouais. N'hésitez pas à dire si vous voulez participer aussi. Je vous le disais. C'est déjà vivant, donc cette pierre est importante parce qu'elle me coupe. On pourra la prendre, c'est plus important. On n'a pas envie de mourir et on veut couper. Ça, ça a l'air de marcher. Pourquoi ça marche pas? Ça marcherait pas, ça. Bon. Pas très joli. Oui, il dit 0. Et je suis 12 cubes. Je suis passé 12 cubes. Allez là. Consécration d'une vie. Ça va être ça, pouf, pouf. Hop, voilà. Donc l'idée là, c'est que je finis cette petite séquence. Paf. Et ensuite, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudra... Alors, ça c'est à faire tenir. Let's go. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudra faire un petit challenge sous mes go? Perdu. Bon. Ah. Oh, come on. Ouf. C'était le même juste avant. Voilà. J'ai un petit misrible là. Bon, ça c'est le classique, on coupe et on prend. Donc il y a beaucoup de formes classiques, c'est ça qui est agréable aussi. Donc là l'idée c'est que on supprime une liberté à celui-là, comme ça bah, on pourra jamais venir ici, sinon on prend et donc on gagne des libertés grâce à cette coupe. Paf. Là, ça va sûrement être ce petit truc-là. Pouk, pouk. Merde, on arrive en deuxième. Voilà. Donc, on a réussi ça. Maintenant, on va aller faire ce petit truc-là. Donc, l'idée, c'est que je vais challenger quelqu'un en lui donnant. Voilà l'adresse qui est ici. Et du coup, bah, il faut avoir un compte sans wiki. Mais bah, je vais attendre. Il y a Darmac, super, super rapide, qui vient d'arriver ici. Donc là, je vais cliquer là-dessus. Il faut que je le sélectionne. Voilà, je vais cliquer là. Pardon. Et donc maintenant, on va rentrer en battle. L'idée, c'est qu'on va tous les deux essayer de résoudre des problèmes comme ça. Et à chaque fois qu'on va en résoudre un, eh ben on avance.
Et on a une petite musique qui fait cling, qu'on peut enlever, je ne sais plus exactement où, mais au moins je peux rendre l'onglet nul ici. Voilà, donc là je vois que Darmak il a réussi le premier problème aussi. Et en fait, si on ne réussit pas le problème, on va avoir voilà, 5 secondes de malus. Et on change de produit. Ouf. Ouf. Et là, on part à la course. Tac. Et... Ah, oups. Ah non, je suis con. Pourquoi je prends pas mon... Je suis chaud. Parfois, on est à la ramasse. Pouc, pouc, pouc. Et là, on sent le stress. Ah, ah je fais vraiment n'importe quoi, c'est génial. Si vous voulez vous moquer, vous avez le droit entièrement. Pouf, pouf. Et là, je show, je talonne plutôt. J'ai envie de vivre. Paf, paf, paf. Et là, hop, j'ai gagné parce que j'ai rattrapé Darmak. Yata! Et du coup, bah, voilà, c'était juste, c'est juste un petit défi comme ça, qui est assez cool. Est-ce qu'on peut avoir le retour de Darmak pour l'utilisation? Vous voyez où les scores? Ah, en fait, à gauche, là, à gauche, t'as deux petits trucs. T'as Darmak qui est en bleu, et t'as orange. En orange, il n'y a rien. Et on avance, en fait, à chaque fois, quand, bah, quand on fait les trucs. Et vu qu'on avance dans le même sens, bah, il y a un moment où il y a quelqu'un qui va rattraper l'autre. Ça peut durer très longtemps, on peut avancer dans le même sens pendant longtemps, mais s'il y en a un qui rattrape l'autre, c'est à ce moment-là que bah, on gagne. Et là, bah, en fait, bah, t'as réussi le dernier problème, mais un tout petit peu trop tard parce que je t'avais rattrapé. Voilà, c'est une sorte de course au Tsumego. Avec la pression, j'ai rien vu. Yes. Mais on peut peut-être rejouer, je sais pas si... Ah, merde. Peut-être que c'était le clic du dessous. Je ne sais pas. Et je crois qu'on peut... On peut voir... Ouais, on peut voir l'historique. Donc là, je vois rien avec Darmak. Et je crois que Vorian va éteindre. Voilà, ça c'est tous les problèmes qu'on a pu jouer. Donc moi j'ai un faux ici, j'ai un pas bon ici, ouais, parce que j'ai pas eu de chicho, c'est débile. Et ici il fallait simplement faire l'internet, j'imagine. Donc, je peux aller vérifier. Voilà, voilà, et là, pouf. Donc ça, on est content. Ok, c'était donc ça. Et j'imagine qu'on peut checker aussi si jamais. Là je suis content. Si jamais je sais vraiment pas c'était quoi le problème. Il doit y avoir voilà, la solution ici. Et puis là. En vert en fait c'est quand ils arrêtent la solution, mais que. Enfin, si quelqu'un se demande. Ah, bah oui, mais si Blanc fait ça. Ah d'accord. Ouais. Donc c'est. Enfin visuellement je trouve ça très très réussi comme petit site. Et puis bah, le petit outil de défi de Tsumego est assez cool en solo, et puis le petit outil en compète 1v1 est assez fun aussi. Ah, voilà, donc si vous avez des petites questions, n'hésitez pas, je vais rester je pense encore 2 minutes. Bon, je vais peut-être me faire une petite session sans Wakey, juste XQ pour voir et pour attendre vos questions, mais sinon je pense que ce sera la fin de ce stream.
après, voilà. On vous laisse poser les questions tant que vous êtes là. Fin. Tes souhaits. Ah, la forme de Z, petite dédicace à Théo. Pouf, 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 pouf. Là, je vais lui en mettre. Pam 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 pam. Quelques questions, non? Celui-là, il est assez fun aussi, dans le type classique. Ah, mais on a tous les mots. C'est sympa, mais le crâne rajoute pas mal de pression quand même. Ouais, après, c'est en fait. C'est justement un bon entraînement parce que. Imagine, t'es sur Taijen, tu commences à faire une partie et tout, et puis t'as plus beaucoup de temps, t'es dans ton vieux Yomi, tu gagnes la partie, sauf que bah, là, ton adversaire commence à te poser des soucis. Et bah, faut réfléchir vite et faut trouver le bon coup au bon endroit. Donc, c'est assez fun. C'est assez pratique aussi. Parce que c'est un petit peu le style là, ça met une pression. Mais justement, faut réussir à gérer la pression. Parce que, de toute manière, en partie normale, tu peux aussi tomber dans ce genre de tricks, dans ce genre de problème. Donc, c'est intéressant là-dessus. Voilà, mais moi en tout cas, s'il n'y a pas de questions, bah, ça va être la fin du petit stream qui était voilà, dédié à ce 101 Wiki pour cette fois-ci. J'attends. On a dit 12 secondes s'il y a des questions, et sinon, bah, j'attends 12 secondes pour vos bye-bye. Yes, un plaisir d'un mec. Et puis bah les autres s'il reste d'autres personnes. Et ben bah, à la prochaine alors, et puis bah bon sumego sur Saint-Waiki, et puis à plus dans la grotte ou au Québec ou à Livre ou Grenoble et bien d'autres encore. Allez bye.